Et c'est parti pour une autre mid-war. Alors aujourd'hui j'ai déjà fait une avec un tank, plus ou moins tank rally. Là je vais essayer d'avoir un support ou un carry carrément. On va voir, ça dépend de mes alliés encore une fois. Allez, le passage sur les bannes comme d'habitude. La partie d'avant il y avait Dévoreur qui avait pas été ban. On va voir ce coup-ci. Et ben il est ban ce coup-ci. Donc il reste donc dans les carries sympas. Moi j'aime bien Clanks, Emerald, Valkyrie. En fait j'attends de voir mes alliés quand même. J'attends de voir, mais il faut qu'ils montrent les picks, ce qu'ils veulent prendre. Sinon je peux jouer support, j'adore vraiment jouer à un pass. Vraiment un héros que j'adore. Donc là on a un range carry pour l'instant prévu, un espèce de tank initiator. Ouais, donc là je pourrais être support comme tank, comme carry, il n'y aurait pas de souci. Donc je vais peut-être jouer carry, support ce coup-ci. Allez, c'est parti, je vais prendre un pass. Donc c'est un de mes héros préférés, ils ont une super team. Ils ont vraiment une super team. Enfin bon, on va voir ce que ça va donner. Mon héros, alors, son principe, son ulti, c'est de monter sur un autre héros et de lui donner de l'attaque attaque speed. Donc c'est quand même pas négligeable sur un carry, quelqu'un qui fait vraiment très mal en niveau des dégâts en auto-shot. Bon par contre, à côté de ça, je ne suis pas que sur lui et sans rien faire, il y a un mur, donc c'est ce que je prends toujours en premier, qui permet de bloquer les adversaires ou aider justement un allié qui a un problème, qui a des ennuis, et donc faire le mur pour que mon allié puisse passer à travers mais que les adversaires ne puissent pas. Donc ça, ça sauve souvent des vies. Ça marche dans les deux sens, hein. Je peux bloquer un adversaire pour qu'on puisse lui défoncer la tête et je peux aussi l'utiliser en défensif pour aider un de mes amis à s'échapper. Il y a le life steal aussi, donc ça marche sur une personne, voilà, je lui vole sa vie. Et quand je suis donc dans quelqu'un, je vole la vie de l'adversaire pour le mettre dans la personne chez qui je suis, quoi. Donc si je suis sur Emerald Warden, ben je fais le lien de vie et c'est lui qui récupère de la vie en prenant de la vie à l'adversaire. Voilà. Et l'autre c'est une aura qui rend de la vie, donc c'est très utile pour vu que les 5-5 c'est souvent beaucoup de haras avant d'engager, et bien j'aurai du coup une aura pour mes alliés. Et donc voilà, là c'est du haras direct. Voilà, donc là on a bien haras Rhapsody, je crois que c'était. Ouais c'est ça. Enfin bon, du coup, bah, je vous ai montré là, j'ai fait un wall, ça a permis d'un petit peu la bloquer un peu plus, mais c'est pas... Ouais. Bon. Il est un peu dangereux le Drunken Master là, de chez eux. C'est un héros qui peut balancer aussi une personne en arrière, c'est vachement pratique. Voilà, là je commence à payer l'aura. Donc vous voyez, on va récupérer un point de vie par seconde, plus 0,005%, moi bon, c'est vraiment pas grand chose, mais rien que le 1 par seconde, c'est bien quoi. Regardez, là je gagne 2,2 à la place de 1,2 du coup. Donc au début, c'est vraiment sympa de ne pas avoir à trop régène trop souvent. C'est dommage que mes alliés ne suivent pas trop, enfin... Genre Emerald Warden, il pourrait venir aider un peu plus à taper. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de mort encore. Hein. Oh là là, là je suis dans la merde. Ok, bon bah voilà, c'est moi qui meurs en premier. Ça, c'est pas top. Il y a 2-1 pour eux, il y a peut-être moyen d'avoir 2 partout. Non, même pas, il meurt pas. Allez, là, on tue Drunken, là. Allez, allez, allez. Voilà, voilà, Drunken, il va mourir, c'est obligé. Allez, 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 voilà, hop. Voilà, aura niveau 2. Et ouais, et il arrive quand même à tuer. Bon, mais 5-3 pour eux.
Ouais. Bon, je préfère hein, à ce niveau-là, je sers pas à grand-chose. Ah merde, c'est Nilu. Alors là, je me suis fait avoir comme un bleu. J'avais pas vu qu'il avait pris la rune d'illusion. Ah bon, 5-3, c'est pas la cata. Je vais essayer de faire un astral assez rapidement. C'est quelque chose qui soigne les alliés. C'est un item à use qui soigne les alliés, quoi. Ok, bon là il faut que j'utilise mon truc. Hop. Bon, on a, si on a eu un mort encore, fait chier quand même. Bon là c'est pas top hein, comme début, c'est clair. En plus leur carry pyro là, Pyromancer le bleu, il a eu déjà des kills, il a déjà eu un hat-trick. C'est pas top top, mais bon, c'est qu'un début de game, on peut se rattraper. Alors, je sais pas, voilà, il y a un allié, il a mis une ward, la mienne il reste encore plus d'une minute, enfin plus de quasiment 2 minutes. C'est assez triste, il gâche pas mal. Voilà, bombardier qui prend une hâte, c'est un peu dommage, j'aurais pu la laisser à nos carry. Je vais essayer de faire une counter ward. Donc là je suis un support, donc mon but c'est de donner du champ de vision à nos alliés, à notre équipe, et puis en même temps à casser leur champ de vision à eux. Voilà, bon là en le bloquant. Hop là, aura niveau 3. Donc là on récupère 3 points de vie par seconde, plus 0,15% de nos vies, donc ça commence à être sympa. Ah bah là on m'a potion de soin en même temps, donc bon, c'est très gentil. Hop. Bon, lui c'est un peu un Rambo quand même. Hein, Oh là là là, Pyro m'a défoncé. Eh non. Voilà, il m'a claqué son ulti, donc c'est un gros dommage instantané. Je peux pas faire grand chose sur ça. Bon, c'est dommage. 7-4. Bon. Donc je devais m'envoyer des items, je suis pas sûr que j'ai... Qu'est-ce qui se passe? C'est plus la ward de rêver, si. Ok. Bon là il y a un ami à moi qui vient voir ma partie, il aime bien venir voir, il aime bien venir me voir jouer. Oh merde, bon là il y a l'ulti de... Ouais, ça fait très mal là. Là j'ai en plus rien pour mes alliés, je peux juste faire de l'autoshot. Hein. Je peux juste faire de l'autoshot, c'est qu'à ça que je peux servir. Et en plus je vais crever. Non, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Oh my god. Bon, c'était pas large. Ok, parfait. Voilà, je peux monter sur quelqu'un, donc je vais essayer de le faire maintenant. Ça peut peut-être aider là. Hop, regardez, boost speed pour Emerald Warden. Par contre, il faudrait qu'il... Voilà, hop, boost speed. Life Drain, vous voyez, sur Pyromancer, là, il est en train de perdre des vies. Voilà, hop, là, je bloque Predator. Voilà, bah c'est parfait, ça. C'est cool, c'est cool. Bon, moi, j'ai pas été inutile sur ce coup-là. C'est bien, c'est bien. Là, j'ai permis de tuer Pyro. J'ai bloqué Pred pour pas qu'il tue un de nos alliés. Voilà, ça leur fait assez mal de se prendre des counters comme ça. Ils meurent pour rien. Voilà, parfait.
On est revenu, voilà. Vous voyez, il y avait 7 à 4 pour eux. Là, il y a 10 à 9 pour nous. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je vais racheter des counter wards et des wards parce que, à mon avis, ils ont des wards quelque part forcément. Je vais voir ça. À mon avis, ça va être là du coup. Ils ont dû en foutre ici. Hop là. Non, ils sont même pas foutus de wards. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Il y a peut-être personne qui veut support chez eux. C'est vrai que c'est un peu pénible de support parce qu'on gâche des sous à. Ben, avoir de la visibilité quoi, mais. Bon, vous voyez là, Predator, il a joué beaucoup trop risqué. Merde, je suis monté sur le mauvais. Hop là, un petit coup d'astrolabe pour sauver l'autre. Voilà, il va mourir par contre, je pense. Ah non. Oh là, Lyon, il a eu chaud à Behemoth là. Bon voilà, ils sont mal. Hein. Et ils ont. Ça fait un moment qu'ils ont pas tué quelqu'un, nous on n'arrête pas d'en tuer là. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux faire tablette de commande, j'aime bien ce truc là. Je vais en faire un. Je vais faire des bottes pourries là. Hop. Bon là faut peut-être juste pas de. Enfin, quand on mène comme ça, ce qui est dangereux c'est de. Bah, d'y aller du coup un petit peu trop confiant et voilà. Bon. Là pour l'instant c'est pas mal mais. Il faut faire attention à pas se laisser emporter quoi. Ouais, là ils font n'importe quoi, ils viennent, enfin je sais pas. Ouais. Ah j'y croyais pas, j'avoue. Oh bah là il est mort. Hein. Bon 11-18, on commence à mener un petit peu. Alors, illusion, moi j'aime bien faire ça. Hop, je vais essayer de tuer le courrier adverse. Bon, pour l'instant, il y a des fights encore, là. Je vais aller heal notre pote, voilà. Hop, bloqué, voilà. Parfait. Et merde, par contre, il a... Voilà, du coup, je faisais plus gaffe à mes illus. Et en fait, je les ai gâchés, du coup, je... Ouais. Bon, c'est le problème, c'est dur de voir tout. Enfin, c'est faisable largement, hein, mais là, j'ai pas été très très concentré. Ok, bon. Bah là, je vais avoir la tablette de commande. Il faudrait un peu de régène de mana, mais... On va voir ça. Ah, il y a une hâte. Il y a une hâte en haut, là. Et hop là, j'ai plus de vie, je monte sur Solstice, sur mon allié. Hop là, je booste un peu sa vitesse. Bon ben voilà. On nous a encore bien défoncé. 13 à 26 maintenant, c'est vraiment pas mal. Il veut rentrer à la base, je le booste un peu. Je vais rentrer aussi. Ma tablette de commande n'est jamais arrivée. Je crois que quelqu'un m'a dû me piquer le courrier. Hop. Voilà. Understood. Connecting. Donc en autre item là je vais faire
Un item assez marrant encore une fois avec ce héros. Je m'envole, enfin je sélectionne encore un item utilisable. J'active sur un héros adverse ou allié et le héros s'envole dans les airs. Donc c'est pareil. On peut l'utiliser en offensif ou en défensif, mais alors là je suis mal. Hop là, je monte sur le premier que j'ai pu parce que là j'étais vraiment dans la merde. Oh là là, j'ai raté mon mur par contre là. Bon bah voilà. I agree. Regeneration. I sense their fear. Voilà, donc là je l'empêche de pouvoir me toucher. Hop, j'essaie de revenir dans la base un petit peu. Ok, je réussis. Hop, tablette, est-ce que ça va suffire? Non, je pense pas. Voilà, bon, bah là c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Big Papa, ok, d'accord. Ouais, là je dois pouvoir l'acheter pile poil, voilà, ça c'est super. Ok, donc là j'aurais en plus, là je serais vraiment pu me sauver cette histoire là. Voilà, après de me sauter dessus, je me mets un petit coup de... Voilà, je le stun, je le bloque. Et voilà. À 17 à 40, là quand même, ils sont pas top top. Oh là là. Ah, faut que je monte dans quelqu'un. Eh merde. Alors là, j'ai pas pu du tout. Je vais faire un truc pour ship les gens maintenant. Pour les ex, enfin pour les contrôles. Ah, il faudrait que je refasse de la vision aussi un petit peu là, on a plus trop de vision. Il faudrait. C'est vraiment important dans ces jeux là d'avoir une bonne vision de la carte. Je fais n'importe quoi là, je regarde même pas ce que je fais. Là je vais pouvoir peut-être leur fausser compagnie. Ok, bon c'est déjà pas mal, j'ai survécu. Ok, et j'ai réussi à sauver les élus aussi, bon bah c'est bien. Donc... Bon, le problème c'est que il est venu la casser. Par contre, je prends beaucoup trop de kills. Enfin, je prends. J'ai beaucoup trop de kills avec cette histoire-là. Faudrait vraiment que je suis un support. Normalement, je suis pas censé avoir des kills. Mais non, faut que j'arrête de sauter sur Bombardier là par contre.
Merde, putain, un Behemoth m'a fait peur, j'ai cru que c'était un adversaire. Ah là, il va me falloir de l'aide. Je me suis caché, j'espère qu'ils vont pas me voir. Ok, parfait. Ah merde, j'aurais pu le sauver là, j'ai fait de la merde encore. Bon, des fois je suis pas... Annihilation. Bon bah voilà, il a tué 5 mecs en 5 mecs assez rapidement en intervalle, donc il a eu Annihilation, ça s'appelle. Donc quand je vous dis que la vision est importante, vous voyez, on voit les mecs arriver, ça P4 partout. Là voilà, il y a des... on les voit quand on sait où ils sont, on sait ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà, je sais pas si vous voyez mes sous, mais c'est assez abusé. Et voilà. Bon, ça là, c'était vraiment du viol. Le début a été un peu dur, mais la fin, bon. Vous avez vu par vous-même. Voilà. À une prochaine.